Yo la famille, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Je serai pas trop long dans cette vidéo-là. Hein. Voilà, je vais laisser Sidi Diabaté s'exprimer parce que franchement, il a fait un très 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 gros concert hier à Kai. Franchement, 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 j'ai rien à dire. Je pouvais pas louper cette occasion-là de chanter les mérites de Sidi Diabaté. On a tous vu les images, il a bourré le stade. J'adore cette petite rivalité musicale entre Sidi Diabaté et Iba One. Tant qu'elle demeure saine, il n'y a pas de problème. C'est la musique africaine qui gagne, c'est le Mali entier qui gagne. Voilà. Donc je profite encore pour vous dire qu'aujourd'hui, où vous êtes en train de regarder même cette vidéo-là, ça sera le tour d'Iba One. D'Iba One de remplir ce coin-là. Bon, on dira que comme il a beaucoup, beaucoup d'influence sur la jeunesse malienne, ça ne sera pas un problème pour lui, mais ça reste encore à vérifier. Parce que jusque-là, il n'a pas encore commencé son concert, même si ça commence aujourd'hui. Franchement, partagez cette vidéo-là au maximum parce que Sidi Diabaté a répondu de la plus belle manière au dernier concert du Vessima. C'est vrai que c'est pas la même proportion de place, mais c'est juste une façon de dire que c'est un clash amical et vraiment musical. Et moi, j'aime bien les clashs musicaux. Tant que ce sont des clashs musicaux, moi, je suis pour ça. Mais quand ce sont des clashs avec des injures à l'endroit des parents ou envoyer des méchancetés, des imbécilletés à l'endroit de son adversaire, je ne suis pas d'accord pour ça et je mène toujours les pendules à l'heure. Voilà. Soyez branchés. Comme je vous ai dit, moi, je ne serai pas loin dans cette vidéo-là. Cette vidéo-là, elle est pour Sidi Diabaté. Je viens juste vous montrer, à travers cette vidéo-là, que Sidi Diabaté a fait sale comble. Il a vraiment cassé caille. Il a cassé caille. Parce que sans vous mentir, ce que vous ne savez pas, comme Iba One est tellement inspiré, tellement Iba One a rempli le stade du 26 mars, tous les détracteurs de Sidi Diabaté souhaitait qu'il l'ont, comme on dit, qu'il tapoto à Kai. Mais Dieu merci, tout s'est très bien passé. On ne peut qu'être fier. C'est ce qu'on veut pour la musique africaine. Voilà, c'est ce qu'on veut pour la musique africaine. C'est le tour de Iba One aujourd'hui. J'espère que vous allez sortir massivement comme vous êtes sortis autour de Sidi Diabaté. Parce que, mine de rien, hein, les fans, ce sont des personnes très ingrates. Souvent, vous partagez les mêmes fans, mais vous ne savez pas. Mais ils aiment bien vous voir en rivalité. Voilà, c'est pourquoi moi, je prends toujours la paix dans toutes mes vidéos. Si tu as envie de savoir, tu as envie de voir ce que Sidi Diabaté a prouvé à Kai. Tu sais ce que tu restes à faire. Tu restes, tu commentes, tu partages et tu donnes ton avis. Voilà. Moi, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails de est-ce qu'il a bien rempli, est-ce qu'il n'a pas bien rempli. Pour les images que j'ai vues, moi, je trouve que c'est un concert royalement réussi. Voilà. J'ai bien aimé sa tenue scénique. J'ai bien aimé la synchronisation avec son orchestre. Franchement, c'est un vrai griot, il a vraiment bien chanté, il a vraiment bien bien presté. Vive le Mali, vive la musique africaine, c'était Eric Thor, vous connaissez, vous vous abonnez, vous partagez massivement. Et puis surtout, la barre des likes, explosez là. Je veux au moins 500 likes pour cette vidéo. Je sais que les fans de Sidi Diabaté et même les fans d'Iba One, comme ils apprécient Eric Thor, vont liker en masse cette vidéo-là. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble, c'était votre homme, c'était Eric Thor. Bon visionnage et savourez ce gros conseil de Sidi Diabaté à Kai. Ciao, ciao. On se prend un coup de journée. Jabate, 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 Jab
Happy birthday, Papa. Happy birthday.